Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne, épisode numéro 2 sur Going Medieval. On va continuer de suivre les aventures de Mia qui est sur de la cuisine. Et Mia, on se souvient, pas douée à ça. Un beau petit zéro, discours en plus, ça c'est le marchandage. Elle est pas bonne, hein. Pas bonne à ça. Ok, donc là on est en lecture normale. Juste le temps de se remettre un petit peu dans le bain. Donc on avait notre petite maison, si on vient augmenter les couches. Ouais, je l'ai enlevé. Ouais, je l'ai enlevé. Parce que du coup, il y avait quand même bien un toit là-bas dedans. Et ben, c'est l'heure de dormir. On va juste... comment on descend les couches, s'il te plaît? Voilà, sois pas bête. Ici. 6 degrés. 6 degrés à l'intérieur. Moins 27 à l'extérieur. Dans quel pays il fait moins 27? Je sais pas dans quel terme on est. En tout cas, ça caille. Ça caille violemment. Niveau de la nourriture, on va avoir beaucoup de cru. On va avoir pas mal de viande en bas. Ok, donc ça, la viande, elle est en train de venir confectionner des repas qui vont être... Ah... En flag, parce que toi, on avait tendance à te louper, là, le faisant notamment. Alors, va falloir qu'on se mette de la porte, parce que ça, je peux plus me blairer, eux. Il faut un carnage. Carnage chez nous. Là, on va se dresser une petite porte sympathique. Et comme ça, on va clore ce problème, là. Ensuite, tout ça, ça serait bien, en fait, d'y mettre... Commencer à l'aménager, tout ça, notre petite cuisine. On a peut-être pas besoin à ce qu'elle soit aussi grande. On va juste venir faire comme ça. Oh là là, le défilé! Alors, on va regarder. On avait 45, c'est ça, hein. Oh, il y a toute une famille qui est arrivée. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du loup sauvage. Loup sauvage. Aïe, 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 aïe. On se fait piller notre stock et allez. Ah, c'est la réunion. Viande crue. On va suivre les indicateurs. Je crois que ça descend. Ok, carcasse de lièvre qui est en décomposition là-bas dedans. Très bien, certes. Ici, on va se mettre une petite porte qui ira là. Fenêtre, on va pas en caler des masses. On va en mettre une. Est-ce qu'elle sera accessible? Bien sûr qu'elle est accessible ici. On va en mettre une là. Pour le moment, ça ira bien. Après, je verrai comment relier tous ces bâtiments entre eux. Est-ce que je vais en faire un grand avec plusieurs, une succession de pièces et après un gros dortoir à côté? Ça me semble mieux. Ou peut-être laisser un couloir extérieur. Allez, j'aimerais bien que tu te mettes un petit peu sur la construction. Ça serait pas mal. Activité de loisir, on n'a pas grand-chose. Le stock est descendu à 36. Et ça continue, hein, ça continue. Ils sont chez eux. Tant qu'elle n'arrivera pas. Donc là, elle est en train de grailler. Elle n'est pas ravie, hein, c'est sûr. Elle aimerait bien bouffer un peu de chaud. Le stock de nourriture de la réserve est en train de fondre, tu m'étonnes. Bog aussi, il se fait plaisir quand même. Il bouffe les restes, le pauvre. Allez, que tu me fasses cette petite porte là, qu'on arrête d'avoir de la visite, ça y est. Ah, ça y est, ça c'est cool. On a enfin une réserve qui est sous verrou et on n'en parle plus. Et c'est vrai qu'ici, j'avais complètement oublié, c'était de faire un sol. C'est pour ça que tout te baie. Ah, il y a également autre chose. C'est que là, avant, je crois qu'il ne le considérait pas comme un sol à partir du moment où il n'y avait pas de mur. Là, par contre, il l'a bien considéré la chose. Alors pour le voir, faudrait venir virer, réduire la zone, enlever ça, cliquer sur le sol et il a vu que c'était une pièce libre qui a moins de... Ok, on va venir faire étendre cette zone ici. Bon, alors ça, normalement, ça doit plutôt baisser ça. Juste là-dessus. Ouais, voilà, ça c'est dans la pièce, c'est frais, tel stade, ça doit plus. On est bien. Donc là, niveau conservation, c'est top, c'est fermé. On va être à peu près tranquille. On va se mettre vite à s'accélérer. Du coup, c'est le petit bras zéro qu'on va pouvoir venir récupérer. Oh, est-ce qu'on va le mettre ici? Bon, juste là. Mais ah, d'ailleurs, on va même plus pouvoir accéder ici. Là. Ah, cette belle fenêtre. On va pouvoir y fermer d'en bas. Ça n'a aucun sens. Comment je me suis dépatouillé, moi, que tu le fais pas, ça? Voilà. Bras zéro, on va le mettre là. Donc ici, on a une fenêtre, la table de débitage. En fait, j'aurais presque plus la plaquer. Ok, et là, ce serait peut-être une porte qui mènerait au reste. Garde-manger, on verra comment on aménage tout ça. Ça va... De toute façon, ça va vivre, ça va bouger. Puis la joie souffre du froid. Donc on va regarder un petit peu son statut à la Miss. Ah, la lumière, elle n'est pas terrible. Heureusement qu'il y a le plus 25, hein, parce qu'elle n'a pas de prière, pas de divertissement, des vêtements hideux. Il fait froid, elle mange cru. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Alors, Bog, qu'est-ce qu'il nous... Hop, 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 hop. Nouveau colon.
Sauf que, semblant démon au premier abord, Brigham était tout simplement pris de terreur. Son corps pitoyable et maladif était couvert de plaies dues à des liens, à des bleus qu'il a reçus de son maître. Ok, cachez-moi. Ah, sinon ils me tueront. Et on va être attaqué avec une archère ou un archer, un maraudeur, maraudeuse. Dans quelques jours, on est absolument pas prêt. Je crois qu'il va arriver, lui, les mains vides. On a quoi? Un arc, on doit avoir une lance. Il faudrait qu'on puisse se protéger. Oh, on va prendre le risque. Hein. Bok qui pourrait nous aider. Ok, on va l'accueillir. Ce qui peut se passer aussi, et ce que j'avais fait moi sur une game, c'est que lui, on va l'accepter. Il va venir nous aider au village après qu'on ait pris le temps de venir panser ses blessures. Il m'a aidé un jour ou deux, et après, du coup, je l'ai renvoyé à ses maîtres au moment de l'attaque quand je voyais que c'était vraiment trop violent. Donc lui, de toute façon, il va venir... Ici, on va regarder un petit peu ses stats à lui. Ah, j'ai vu des bons trucs. Un menuiserie, il a 20. Il est très fort en tir. La forge, ok, confection. Et il a des très bons trucs. Un dressage d'animaux. Il est très intéressé par la chose. Il est très passionné. Construction également, intellect. Oh, il a plein de bonnes choses. Ok. Niveau du calendrier, on va faire un copier-coller. Ah, plutôt de celui-là, sinon ça n'a pas de sens. Par contre, Mia, on va te faire toutes les armes. Toi, c'est... Toi qui vas prendre les trucs à distance, tout autorisé, de toute façon on n'a pas d'armure, ok, sur la gestion on vient de le faire, les animaux on verra, et peut-être qu'on mettrait Bog sur la bataille, sauf que Bog il a combien en points de vie lui? 35, ça peut très vite descendre, il n'est pas fait pour Bog. Ouais, mais j'ai pas envie de le perdre, on verra vraiment. Comment ça évolue? Alors du coup, c'est que dans leur gestion, c'est dans les travaux, ça va venir changer ça. Le soigner, on va le mettre à... Ah, ils sont nuls tous les deux. Par contre, convalescence, on va se mettre ça. Waouh, toi t'es très fort. Toi tu toucheras quasiment grand jamais. La construction, t'es pas bon dedans. Ça par contre, ça peut être cool. Extraction, très fort. Je disais qu'il était bon, c'est ça. Hein. Sur des trucs qu'on n'a pas encore, en fait. Confection est parfaitement naze. Indépendant transport, ça, on va pas trop toucher. Donc, toi, on va te mettre à 2. Toi, on va te mettre à 2. Oh, toi, tu toucheras pas trop ça. La forge, ils sont très, très bons là-dedans. Cuisine, et lui, il a combien? 3. Bon, ça sera un petit peu plus prioritaire. Ça, c'est très bien. Tout ce qui touche à la botanique, toi, de toute façon. Dressage d'animaux. À 2. 1. 1. Ça, c'est la construction 1 également. Elle est balèze. Mia est très bien, on en est ravis. Allez, on accélère un petit peu. Une équipe de recherche arrive. On a un jour, 16 heures. Ok. En fait, ce qu'on préfère sur le dessus, j'aimerais bien qu'il tire en hauteur déjà, qu'il soit un petit peu à l'abri, que ça laisse le temps. Donc, ce qu'il faudrait... Aïe, 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 on va pouvoir se mettre juste... On n'a pas encore un système de poutres, donc on va se mettre... En revanche, un système, ça va être quoi? 1, 2, 3, il faut une fixation. 1, 2, 3, il faut une fixation. On va en mettre 2 là, 2 là. Et on essaiera de venir. Ça ressemble à rien. Ils ne vont même plus pouvoir passer. Je vais annuler, c'est le L. Ça ressemble à rien. On va essayer de faire ça, parce qu'il va leur manquer quoi? Du bois, ils sont en train de tourner. Moi, je réagis absolument pas du tout. Alors... Ouais, venez taper ça, là, voilà. On a besoin de bois, hein. Par Monsieur Bog, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a? Pas Monsieur Bog. Monsieur Bog, ça commence, on le confond avec le chien. Brigham! Manger de la viande crue, il est pas tout à fait content. Reviens là, toi. Ok, l'estomac, il a quoi? Il a une petite poitrine contusionnée. Ok, vitesse de déplacement un petit peu ralentie, la probabilité d'esquive qui est moindre, ok, il est jeune, il a guérison, donc là il est en train de récupérer parce qu'il pionce, il est jeune, donc là il y a pas mal de trucs, hein. Les multiplicateurs d'expérience, donc je pense qu'il va assez vite apprendre, alors d'autant qu'il est passionné par plein de trucs, ça va être cool, les PV il en est à quoi, 91%, il va bientôt se mettre au travail, il nous reste quoi, un jour, 9h, Emiya qui est sur la construction. Il faut un escalier aussi, on l'a dit à cette pièce. L'escalier, on va le poser à l'extérieur. Sauf que eux, ils vont pouvoir monter, évidemment. Est-ce qu'on le détruira au dernier moment? Parce qu'on peut le mettre dedans, mais alors il n'y a absolument plus de place là. Si, on peut peut-être venir le mettre là. Ok. Et ici, on viendra recouvrir un tout petit peu là. De quelques dalles qui puissent se balader juste sur les extérieurs. Et on a une porte d'accès, ils vont venir ici.
Wow, sinon, on les positionnera juste un peu à l'arrache, comme ça. On verra ce que ça donne. Ok. En termes de plafond, il va falloir du bois, toujours du bois. Parce que dans les faits, je peux tout recouvrir. C'est pas dit que ça tienne. On va déjà se mettre ça. Ça, je l'ai probablement fait pour rien. Ça ne m'étonnerait guère. Ok, ils sont en train de dormir. Il va rester un peu plus d'un jour. Je pense que ça peut le faire. Je dis bien, je pense que ça peut le faire. Qu'est-ce que ça donne dans la gestion ici? À distance, il s'est toujours pas équipé parce que lui, il est en train de pioncer. Elle, par contre, elle va plutôt prendre une arme de corps à corps. Alors, je sais plus, le texte n'est pas assez grand pour les deux. Il y en a un, c'est plutôt corps à corps du style épée, l'autre plutôt lance. Ah, voilà, une main ou deux mains. Donc là, on va plutôt lui mettre du deux mains. Donc, c'était la seconde option. C'était celle-ci parce que je crois qu'on a, c'est ça, une lance qui est juste là, là. On va également avoir... Ah, bouclier, personne pourra le prendre. Par contre, on a quoi? Un bonnet. Ça qui va protéger des masses. Décomposition dans la réserve. Le bonnet, justement. On en parle. Oh là là, va-toi. Si tu tombes pas malade avec tes fringues. Allez, coupez du bois. Mettez-vous sur la construction, au moins qu'on soit à l'abri là-dessus. En termes de pièges, on n'a pas grand-chose. Si, il y a des pieux, voilà. Ça, ça peut être cool. On va juste les mettre devant la porte. Parce que c'est probablement par là qu'ils vont arriver, ils vont tomber dedans. Alors comment on peut faire? Parce qu'ils peuvent toujours longer ici. Et nous, l'idée, ça serait pas de tomber dedans non plus. Voilà. On verra, hein, si... On verra comment ils se comportent. En tout cas, on va poser des pieux, comme ça ils vont pouvoir perdre de la santé et surtout venir saigner derrière. Avec... Ah ouais, il n'y en a qu'un qui a un arc en plus. On n'a qu'un seul arc. Ah, ça n'a pas été évident. Hein. Puis si je lui fais faire du corps à corps... Ils sont équipés quoi qu'il en soit. Alors lui par contre, il peut faire un massacre. Hein. Il est passionné, il a 17 en tir. Donc là... Ces moments, il va falloir qu'il paye sa place chez nous. La stabilité, ça donne quoi ici? Stabilité de 2. Normal. Stabilité de 3. Et je crois que ça tombe à 1. Je sais plus. Je sais plus tellement. Stabilité, qu'est-ce que ça donne? 4 ici. Là, c'est à 3. Si on enlève ça, ça tombe. Ah, ça tombe à 0. Là, c'est à 1. Si on rajoute une poutre, etc. etc. Ok. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Alors, comment on enlève? Il y a les pièges, il y a les pièges. Pourquoi les pièges? Pourquoi les pièges, ils se posent pas? Les pièges, il faut quoi? Il faut juste... Ah, du bois. Enfin, des branchages. Avec tout l'osier qu'on vient d'utiliser là-bas dedans, on va pouvoir abattre ces gros arbres. Est-ce qu'on n'a pas de l'arbre pourri, d'ailleurs, qui va donner un peu plus de branchages que le reste? Je crois que non. Eh ben, on va s'abattre, de toute façon, tous ces arbres. Il n'y a pas trop d'importance. On va commencer à avoir pas mal de petites pousses et arriver au printemps. Si on est toujours là, bien évidemment, on va pouvoir... Faire des merveilles. Alors l'autre qui pionce, pourquoi? C'est 13h. Il est complètement KO à ce point, lui. Ok, il a toujours sa petite blessure mineure qui s'arrête dans un petit peu plus d'une heure. Est-ce que ça se remet à jour? Ouais, c'est ça. Et mais c'est qu'il va être frais pour la bastonnade. Ça, c'est bien. Oui, gamme. Oh, les pièges, il m'en faut un peu plus. Ça arrive dans quoi? 13h. Ça va tomber en pleine night. Cette histoire... ça va pas être beau. Ça va pas être beau du tout. Alors ça, du coup, c'est une idée de génie qu'on a eue, évidemment. Comme toujours. Comme toujours. Des idées lumineuses. Il faudrait, par contre, pas de la réserve. Bon, on va continuer un petit peu le sol en osier, tant pis, même si... On va un peu compte faire ça. Voilà, allez, hop, tu vas m'en mettre de partout. Vous allez couper ça. Et ça, si on vient le couper, ça me ramène un branchage 1. Eh ben, dis donc. Est-ce qu'on n'a pas de l'arbre crevé? C'est quand même terrible, ça mature. Il me ramène environ 25. Vous allez me dire qu'avec tout ça, chaque piège coûte. Hein. Allez, tout me raser. C'est Brigham qui a l'air balèze à la hache. Allez Bog, on compte sur toi également. Il fait moins 21 dehors, il neige. Vraiment les conditions les plus extrêmes. Il nous reste vraiment plus de nourriture, on en a plus que deux. En tout cas, ça peut être bien si on survit au raid. Ça veut dire qu'on aura gagné un colon. On va probablement avoir quelques armes armures.
Alors c'est vraiment si on survit à ce premier raid qui fait un peu de la peine. Moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est une tour sur au moins 3 étages, arriver en haut, c'est faire un grand plat avec quelques... On aura l'occasion de voir tout ça et comme ça donne l'occasion aux archers d'avoir une bonne portée, d'être à l'abri en plus de ça. Mais là, pour le coup, on pourra bien le placer dans l'angle, il pourra toujours tirer sur celui qui essaye de s'en prendre à notre porte. Ah, par contre, c'est qu'il y a un archer en face. Alors ça, c'est vraiment le truc qui va faire défaut. Ça va être du archer contre archer. C'est le premier qu'on va taper. Sauf que l'autre, il aura tout le loisir de casser la porte. C'est Mia qui sera au front. Et les stats d'attaque, je ne sais plus à quoi ça tient. 6 corps à corps, 5. Mia n'est pas une femme violente. Ouais, ils auront au moins à peu près le temps de pioncer quand même l'attaque qui va être imminente. On repassera après sur du... un ou deux, j'aimerais bien qu'ils fassent ce qu'ils ont. Voilà. Donc on pourrait le livrer tout simplement. Il nous a aidé un peu, on le rend. Mais là, ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas. Ah, c'est qu'il y a deux maraudeurs. Donc ça, c'est pas mal. C'est qu'il n'y a pas d'archer finalement. Et vos colons ont un modificateur positif s'ils l'aident. Et bien sûr qu'on va l'aider. On accepte. On accepte ce combat, nous. On va encore les laisser. Oh, bah ils viennent de se réveiller. Ah ouais, il y a ces 5 heures. On va déjà se mettre en position. Donc on va faire enrôler. On va venir les placer là-haut. Bog, il va se mettre quoi? Bah, il va prendre son petit déj, Bog. Je pense pas qu'il s'en prenne à lui quand même. Mia, toi tu vas bien fermer ce passage. Toi tu vas pouvoir te mettre juste là. Ils sont... Où est-ce qu'ils ont de monter? Juste ici. Donc toi tu vas vraiment te mettre ici pour le moment. Pour les avoir... Ou plutôt... C'est parti. En train de faire une série de tout petits pets. Je vous raconte pas les enfants. La pression est extrême. Allez, vas-y. Commence à décocher tes flèches, toi. Oh, yes. Oh, 28, il vient de prendre, lui. Ok. Oh, bah ça y est. Il est déjà dégoulinant. Il a une joue transverse. C'est une blessure de Hudson. Et il va reprendre du pic. Blah. Il reprend un 28 derrière. Ah, bah lui, il va... Ah. Et l'autre qui a pas pris, c'est vrai que une fois que le piège est sorti, c'est terminé. Allez, décoche une nouvelle flèche. Et bah victoire, l'autre qui finit par prendre la fuite. Heureusement, aucun colon ne subit de dégâts. Et ce qu'il faut maintenant, c'est venir lui le coucher. Parce que niveau du matos, on va avoir une lance, masque, veste, etc. etc. Donc on va le suivre jusqu'au bout. On va aller le chasser. Il est en train de fuir. On va venir autoriser ça juste avant. Ça va... Laissez le temps à Bog de rentrer tout ça dans la réserve. Vous allez pouvoir venir me l'attaquer. Hein. Continuez. Oh, il fuit, mais sans scrupule. Hein. T'as voulu m'attaquer, mon pote? Je vais te mettre raid. Ça va être jusqu'au bout. Allez, tu peux descendre. Allez, Mila. Toi, faut que tu t'entraînes au corps à corps. Il en peut plus. Il est en train de courir et fuit. Fuit lâchement. Allez. Venez. Ah, j'arriverai pas à l'avoir, je crois. Je suis lâchement. Dommage. On va pouvoir arrêter de faire ça. Ok. On va se remettre ici. Donc, du coup, on avait quoi ici? Le piège a raté. Ah, pour le renard. Bah, il vient bouffer du bandit. Ok. On va faire brûler ce vilain corps dégueulasse. Donc, ça, c'est où? Ça, c'est les bûchers. Le bûcher, on va venir se le caler. Bah, pas très loin de la réserve. Comment il est placé? Comme ça, ça me semble pas mal. Ouh, et ben, ça fait plaisir. Mine de rien, on va avoir quoi? Des vêtements d'été médiocres. On a une bardiche. Ok. Bon, ils viendront s'équiper avec ce qui leur fait plaisir. Oh! Il est endormi. Prévenir le chasser. Ça serait moche. Les activités, ok, la table de recherche, blablabla, ok. Donc là, on a au moins de quoi se défendre un petit peu. On a dit qu'il fallait chasser. C'est vrai que ce renard, il me tente, hein, lui, il n'y a rien. Allez, hop. Petite chance de contre-attaque, mais. Donc on va construire ça. Lui, il va où, lui? Concrètement, il va apprivoiser un animal, pourquoi pas. Ok, donc on va se remettre sur de la vitesse de 3. Donc ça c'est bien, ça. J'y croyais pas. Il croyait pas beaucoup. On va venir faire autoriser tout ça, les ressources qui sont en proximité que Bog peut venir récupérer. On va faire un tour dans les animaux parce que là j'ai l'impression que c'est un festival là-bas dedans.
Donc les loups, on en a 5. Les renards, on en a 3. Donc lui, on va pas le chasser. D'autant plus qu'il y a une contre-attaque qui est assez violente. Les cerfs, ils commencent à se démultiplier. Un petit peu trop à mon goût. On va venir en chasser les plus jeunes. Donc ça va être quoi? 2 femelles. Il va rester une femelle mature. Ouais, il y en a encore une là qui est mature. Allez, 2 plus jeunes. C'est moche. C'est la vie. Je l'entends. Je l'entends, donc elle va se mettre sur de la coupe. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Maturation, c'est vrai que ça va pas être terrible, mais on pourrait au moins venir se récupérer un petit peu de baie, pourquoi pas. C'est ce qu'on va lui demander, je crois. Allez, tu vas venir vers le plein. Parce que malheureusement... Oh, les renards. Bon. Finalement, il n'y aura peut-être pas besoin de bûcher. Ils sont en train de bouffer le cadavre. Ils sont tellement pleins qu'ils pioncent juste après, qu'ils n'ont même pas le temps de... Dressage d'animaux, c'est monté à 4, mais... Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait mis en... Parce qu'il était passionné. Mais à part ça, t'es extrêmement mauvais à la chose. Donc c'est vous le dressage. Laissez-moi voir. Lui, on va juste le mettre à 3. Alors, à moins que ça... Ça laissera un peu plus l'occasion à Mia de venir faire autre chose. Comme de la botanique notamment, ça c'est cool. On va refaire le plein de baies. Ah, il y a aussi une table de recherche qu'on préfère. Est-ce qu'on vivrait comme des hobbits en souterrain? Parce que finalement, ça serait plutôt économique cette histoire de ne pas faire de mur. Maintenant que ça me semble bien, ça me semble pas mal. Là, on a que de la terre. Alors, ici, on pourrait venir. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait? Table de recherche, notre bibliothèque là-bas dedans. Je sais pas vraiment si ça se fait, mais ça va se faire en tout cas. On verra. Ça peut être très bien. Ok, elle est encore sur la coupe. Alors du coup, on a récupéré le stock de nourriture de la réserve est faible. Yes. Bah ouais, faudrait qu'il se mette sur la chasse lui aussi. N'écoute pas. Les travaux, la chasse. Pourtant la chasse, il est sur 1. Mais c'est quoi, c'est la... Pourquoi? C'est l'extraction aussi, il est sur 1. 16. Ah, on y a baissé un tout petit peu l'extraction qui se met en priorité sur la chasse. Mais maintenant qu'il est parti, l'autre, on va plus l'arrêter là. Ok, donc ça, maintenant que c'est sorti, je crois qu'ils peuvent venir, voilà, le... Bon, c'est pas repositionné, mais ils vont enclencher le piège, ça va coûter un petit peu. Ça, ça a fait le taf. Hein. Les petits pièges, en tout cas, c'est surtout Brigham avec son arc qui a été terrible, tel un elfe. Il a fait plaisir. Activité de loisir. En dessous, on l'a dit... Ah, bah voilà! La carcasse! Donc ça, quand ils auront terminé, ils viendront me faire un petit peu de cuisine. Ça, on va venir fermer cette pièce. On y mettra notre table de recherche à l'intérieur. La salle à manger. La salle à manger. J'aimerais bien qu'elle soit dehors, quand même. Plus près de la cuisine, ça ferait sens. On mettrait juste la salle à manger ici. On pourrait se mettre une petite salle de prière par là. Donc, idéalement, il faut qu'elle soit spécifique. Une salle de prière pour l'un, pour l'autre, pour les deux religions qui sont connues. Ça y est, pièce libre. Il est venu nous faire la petite porte qui va bien. L'extraction qui va être finie sous peu. Et là, du coup, je ne sais pas si ça va venir déstabiliser. En enlevant ça, notamment. Alors après, la pièce n'est pas très grande. Ça va. Ça a tenu. Par contre, j'aurais venu gratter de la terre supplémentaire. Il aurait fallu mettre des poutres. Parce que là, sinon, ça fait crouler du sol. Ça fait absolument vilain. Ok, ils en sont où? 23h. Ah bah voilà. 23h, l'heure du dodo. Ok. Ok, hein, on est où? On est parti bien loin. Là. Là-dedans, on est à combien? Là, ils se tiennent chaud, là. 12 degrés. Pas mal. Moins 17. Ici, on est à... ouais, moins 17. Parce qu'il faudrait idéalement... Si je mets un toit, je ne vais plus pouvoir y monter. On avance les recherches. Hein. C'est terrible. Il faut qu'on avance les recherches. On va directement en placer en bas. Table de recherche de base. Est-ce qu'on en mettrait 2? J'arrive jamais à les faire les deux en même temps. Ça c'est clair et net. Qui est sur la recherche d'ailleurs? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un petit génie dans l'eau. C'était pas Brigham qui était pas mal? Ah, mais c'est encore Mia quoi. Est-ce qu'on en fait sa priorité? La forge, pas tellement. La coupe. Il est nul à tout lui en fait. Pardon de dire ça. Mais... Alors,
Ici, ça c'est fait. Ok, là on va avoir quoi? Des os qui vont terminer là-bas. Ça c'est en cours de prep. Ok, il faut juste un petit peu de main d'œuvre dessus. Parce que là, du coup, on a quoi? On a du cru, on a que de la bidoche. Il nous manque quoi, on a dit, pour un repas? Ouais, ce serait juste du combustible. Eh ben voilà! Ah, Brigham, champion. Mets-toi sur la bouffe. On a même pas le temps de voir. Ça allait vite. Repas. Ah, c'est trois petits repas qui vont pas. Ah, qui vont bien, c'est les tartes aux groseilles. Cool. Y'a également sur la bouffe. Ok, bog. Ah non, c'est un loup. Parce que du coup, ce qu'on n'a pas vu, c'était dans les animaux. Les animaux, en fait, il en existe à plusieurs sortes, comme on l'a vu ici. Mais par contre, il y en a plein qui ne sont pas encore sur notre emplacement. Ça, on va recevoir une alerte. Typiquement, on n'a pas de poule, on n'a pas de vache, on n'a pas de chat, on n'a pas de chien sauvage non plus. Donc là, on a juste du loup, du cerf. Les rats, ils se sont fait dézinguer. Les fans, c'est bien pareil. Les loups, par contre, on suivra leur population. Ils se démultiplient. C'est quoi? Parce qu'on a deux jeunes loups qui sont là. On va venir les chasser. Parce que là, sinon, ça peut vite partir dans tous les sens. Ouais, ça va partir dans tous les sens. Ici, la petite porte, on voulait la placer correctement. On va récupérer cette porte-là. On va se faire un petit copier. On va la caler. On va la caler. Juste là, ça sera pas mal. Ici, du mur. Ça serait quoi ici? On a dit on voulait faire une quoi, une salle à manger. Ah, faut que ce soit un peu spacieux quand même. Un petit peu spacieux quand même. Jusqu'au bout. Dans les choses propres. Au moins qu'ils puissent bouffer au chaud. Sur du terrain couvert, on viendra se faire un petit toit. Propre qui va bien. Du foin, on en a un tout petit peu. Ok, fenêtre, par contre on viendra tout bien fermer, ici on va venir copier celle-ci, on va en mettre une là, en mettre deux là et en mettre une ici. Est-ce qu'on passe par les cuisines ou est-ce qu'on refait une porte? Non, ça me semble pas mal tel que c'est fait à l'instant. Ok, il est 15h, je commence à en avoir marre de ce blanc là, qu'on n'ait pas de récolte et qu'on ait rien, de la chasse, j'entends. Il est en train de faire des merveilles. Donc lui, il est toujours sur son loup. Allez, ok, s'enfuit, s'enfuit. Vas-y, gone. Ils s'enfuient tous. Il va y passer un moment, lui. S'il revient pas avec une pneumonie. Ah, ça sent la contre-attaque. Alors, il a plus beaucoup de vie. Il vient de se prendre une morsure. On va suivre tout ça. Hein. Point de vie, il a combien? Il a 11. Ok, il l'a eu au corps à corps. Il lui a mis 18. Enfin, je comprends pas, 18, il est pas mort, lui. Peut-être qu'il a un système de résistance au... Oh, par contre, il va y rester, lui. On va se mettre juste sur de la lecture simple. Il vient de prendre 9. J'ai peur qu'il y reste. J'ai vraiment peur qu'il y reste, ça serait dommage. Par contre, il lui reste plus beaucoup. Parce que là, s'il commence à taper une fuite... Il y a une morsure au visage, il est en train de perdre du sang. Quoi faire? Mila. Prioriser la chasse. Allez, applique-toi. Ah, parce que lui, il déguste. Hein. Il déguste fort. Annuler l'action, toi. Toi, on va faire enrôler. Allez, allez, allez. Bah, en retraite. Bah, en retraite. Allez, 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 allez. Le loup non plus, hein, qui a l'air de tituber un petit peu. Peut-être qu'on pourra l'avoir à l'arc un tout petit peu plus loin. Oh yes. Ah ouais, ouais, ça peut peut-être se faire, ça. Est-ce qu'on peut venir cliquer? Si. Yes. Allez, décoche ta plus belle flèche. Oh oui, champion. Ah, par contre... par contre, c'est mis dans tous ses états. On va venir annuler. Il m'a eu les deux, hein. Il m'a eu les deux. Il n'y a plus d'ordre de chasse, je crois. Les loups, ils sont passés. Pourquoi c'est jamais trié comme on veut, ça? Les cerfs, c'est dans un ordre. Ouais, il a eu les deux. Ok. Convalescence. Il est pas bien. Il est en train de perdre du sang. Perte de sang modéré. Il nous reste quoi? 69%. Bon, il va aller se soigner. Pas qu'il se fasse attaquer en route, ça serait fort dommage. Par contre, les carcasses. Carcasses qui sont là, qui vont se décomposer.
Allez, rentre en 37, 19h. Est-ce qu'on demanderait... Eh ben ça, on peut prioriser des tâches. Ça, c'est vrai que même si ça fait pas partie de leur calendrier, etc., que Mia se situe sur autre chose, on va venir la sélectionner et lui donner l'ordre de venir soigner le collègue qui a ramassé sévèrement. Donc là, tout remonte un petit peu. Il lutte pour bouger à 25%. Il est à 43. Allez, viens te mettre au chaud. Et ça, ça se fait que quand il est dans un plumard. Prioriser le soin des blessures. Allez, 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 allez. Mia, elle est à combien en soin des blessures, elle? Médecine, elle a 2. Autant vous dire que poser un bandage, c'est une mission. C'est déjà haut risque. Et j'aimerais bien... Il faudrait pas que ça vienne, parce que c'est vraiment la perte de sang qui fait un peu flipper. C'est sa blessure. Ah, yes. Et là, du coup, ça a dû la passer en mineur. Même pas. Même pas. Comment ça évolue? Ah, ça y est, reprend du sang. Donc, c'est une blessure modérée. Mais là, tous les indicateurs repartent à la hausse. Le danger est écarté. Bravo, Mia. Niveau de la bouffe, on commence à se remettre très bien. Parce que finalement, on a du repas, 6 repas. Donc, ça, c'est toujours... Ah, de la viande rôtie, c'est cool. Ça leur fera du bien. Mia, bon anniversaire. 28 ans. Et où est-ce qu'on voit ça, nous? Que j'ai manqué cette info. Alors, qu'on aurait pu lui souhaiter... Ah ouais, le jour 10 de 28. Et lui, il a 23. Lui, c'est au printemps. D'accord, très bien. 1m52. Un nain de jardin. Regarde. Bizarre. C'est petit. Il a quoi en trait, lui? Il est travailleur. Donc, vitesse de travail globale, un gros plus 15. Ok, sage. Alors, en plus de ça, il est jeune, il a des bonus. Mais en plus de ça, il est sage. Il a un gain d'expérience. Ce petit va devenir brillant, Brigham. Ça, c'est bien. Bon, l'hiver, on est quoi? Jour 10 sur 12. On n'en peut plus de cet hiver, hein. Lui, on est en train de becqueter ce qu'il avait sur lui. Et c'est vrai que maintenant, je crois qu'ils ont des petites sacoches. C'était ça le bail. Ils ont des petits trucs sur eux. Bah voilà, c'est vrai qu'ils ont une sacoche. On peut venir leur faire bouffer ce qu'ils ont directement sur eux. Donc elle, par exemple, elle a une tarte aux groseilles qui a des nutriments à hauteur de 85. J'ai oublié ça. Pas mal. Donc elle continue avec la cuisine. On va venir fermer tous ces trucs-là. Sur du temps mort. Bon, Brigham, il va être inactif un petit moment, bien une journée, je suppose. Est-ce qu'on peut pas venir lui demander... Non. Non. Parce que... Pourquoi on peut plus le soigner? Parce qu'il a pas tellement de blessures. Il a juste une blessure au visage. Ça va revenir tout doucement. J'aimerais bien qu'on ait un colon, un troisième supplémentaire. Ça serait cool pour pouvoir avancer un tout petit peu plus encore. Est-ce qu'on a les loups à récupérer? Je sais même pas s'ils sont dans notre réserve. En repas cru. Ouais, non, on n'a rien. Ça serait dans quoi? Alimentation, peut-être? Non, ça, c'est du foin, textile et compagnie. Je crois pas. Je crois pas que quelqu'un ait récupéré ses carcasses. On a toujours cette bonne petite viande rôtie qui est là. Ah, ça y est. On commence à arriver sur une fin d'hiver, à retrouver la couleur de la terre. Mais ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a absolument pas de prix. Elle ressemble à rien, cette base. Cette base-là ne ressemble à rien. Donc ça, on pourrait en faire peut-être une terrasse, finalement. C'est là qu'on voit tous les défauts, qu'on avait commencé à poser des machins pareils. Là, ça, c'est parfaitement immonde. Les activités aussi. Ah oui, il y a aussi la recherche. Du coup, de cette petite salle, ah, bah, qui est absolument pas finie. Il faut se remettre sur la coupe. Ça, c'est quoi? De l'arbre pourri. Bah voilà. Donc eux, les trois, alignés. Ils vont très bien, lui c'est en croissance mature. Et lui aussi, bah, il est mature, de toute façon, il donnera pas plus que ça. Et ça c'est quoi? C'est du croissance. Et ça c'est du mature. Allez hop, ne m'abatte tout ça. Oh, on aura tellement de travail au printemps. Blessure de colon encore? Ah, il se remet à saigner lui. Hein. Et toi, est-ce que tu peux pas y faire quelque chose? Oula, peut-être pas autant. Ah si, voilà. Prioriser le soin. Allez, allez, allez. Il faut retenter une action. Il va falloir vite qu'il soigne. Ok, bah voilà. Oh, ça l'a ressuscité d'entre les morts. Il a juste une petite blessure mineure. Oh, il s'est réveillé avec une envie d'abattre des arbres. C'est bien Brigham. Est-ce qu'il a pris, en attendant, de l'expérience sur le tir, hein? Il est toujours à 17. Il y avait que Mila qui avait pris... Oh, botanique. Maniement de la hache. La perfection.
que l'on devienne contrarié. Bah ouais, parce que ça, c'est au niveau de l'activité, c'est absolument dégueu. Ça se dégrade très fortement. Il faut penser à leur petit bonheur là, tout de suite. Là, tout de suite. Ça, ça m'insupporte au plus haut point. Voilà. Voilà qui est mieux. Alors. Sur du loisir, il faudrait leur mettre une petite table de bagamon. Ils sont deux, on va pouvoir en profiter. On va caler ça. Il n'y avait pas de porte, on a dit. Non, il n'y a pas de porte. Donc on va mettre ça là. On va se mettre un hôtel de chaque. Plutôt le caler ici, celui-là. Lui, on viendra le placer par là, que ce soit pas trop gênant. Voilà, qu'on ait à peu près les activités dans un coin. On viendra mettre la table avec les chaises de l'autre. D'ailleurs, on va s'en choper une petite. Voilà, qui coûte 20 bois. Ok, on va se mettre bois du tabouret. De toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre. On va en caler deux là. Ça ira parfaitement bien. Donc, on va se mettre sur quoi? Sur la coupe du bois, sur la construction. Du bois, on en a pas mal ici. On va refaire un peu le tour. Ça, c'est en pleine croissance, on l'a dit. Ça, c'est du mature, ces trois-là. Allez. Ça... On l'éclate. On est quoi? Jour 10 toujours. C'est interminable, hein, cet hiver. C'est franchement très très long. C'était vraiment la pire période possible. Il fait combien en cette pièce là? On va venir démultiplier ça. On va leur mettre un petit peu de chaleur dans ce coin là. Donc ça, il y a un toit. Ça, c'est très bien. Est-ce que c'est une pièce qui est reconnue? Ouais, ça, c'est une pièce qui est libre. Il fait moins de dedans. Je regardais un peu les animaux apprivoisés. Lui, il en est à combien? Il en a 2%. Alors, je comprends pas. Je crois qu'il y a peut-être des cerfs qui ont été tués. Ou alors, est-ce que j'ai tué les cerfs que j'avais? Je comprends pas. Je comprends pas. Les cerfs, il y en a une blinde. Il y a une femelle qu'on va venir chasser. Ok. Par contre, là, il y a du jeune qu'on va venir domestiquer encore. Là, c'est 4, pourquoi pas. Parce que, alors je sais pas s'ils se font attaquer par des loups, ça m'étonnerait pas beaucoup. On va voir ce qu'il en est. Donc ça, ça va être Brigham du coup qui va être chargé de... Il va pouvoir venir bouffer. Alors je sais pas ce qu'il a pris. Ça du coup, il n'y a plus rien à cramer. Mais au cas où, on va venir cliquer. On va mettre tout le temps, dès qu'on a un corps. On viendra faire ça et la petite musique qui se relance... Ok, on a encore beaucoup à construire. Il est passé, dressage d'animal au niveau 7. Pas bon lui, hein. Oh, des matériaux, ça s'envole le chiffre. Comment ça se fait qu'on ait tout ça? C'est de l'argile, la force d'en récupérer à droite à gauche. On a aussi beaucoup, beaucoup de bois. Donc ça, on va pouvoir arrêter d'abattre. Je pensais qu'il nous en manquait, mais alors absolument pas. Et on se rapproche de la fin d'hiver, puisque mature. Ça, on va pouvoir venir faire une petite récolte. Eh ben allez, ça va être le cas de tous. On va se refaire le plein de baies. Oh, ça va faire plaisir, le printemps, ça va faire plaisir. On a pu passer enfin l'hiver. Il va nous rester juste la fin de journée. On est jour 11. On va s'arrêter au tout début du printemps, je pense. Après, on a quoi ici? On a des cendres. Ça, je crois qu'on va pouvoir les réutiliser parce que c'est, ouais, c'est des matériaux bruts. Les os, c'est pareil, c'est des matériaux de construction. On viendra les utiliser plus tard. Sur la recherche, qu'est-ce que ça donne en bas? Il y a la porte, c'est accessible. Ah ouais, il faut peut-être y mettre. On va mettre tout le temps. Et puis, sur du temps mort, jeunes gens, j'attends de l'action de votre part. Est-ce qu'elle vient bien manger à l'intérieur? Ok, elle vient bien. Ah non, elle vient construire. Parce que je crois que ça, ça a été modifié justement, qu'ils viennent bien, même si c'est un petit peu loin, venir profiter de tout ça. Donc ils ont de quoi prier, ils ont de quoi s'amuser, ils peuvent bientôt manger au chaud, manger... Ah si, ah bah voilà, elle est dessus, Mia, elle est parfaite. Préparation de la nourriture, elle se remet dessus. Ah voilà, un peu de chaleur. Vraiment ça fait plaisir, débité. Ok, donc ça il a dû récupérer peut-être les loups de la carcasse qu'on avait. Allez, alors du coup c'est en bas, on les voit plus. On a de la carcasse là-bas dedans. Non, on a de la viande rôtie qui est là, qui doit pas, heureusement. On a de la viande tout court, crue. Ok, on est pas mal. Allez, ils se mettent un petit peu sur la récolte. Allez, ça va être les dernières heures de neige, je suppose, parce que... Oh, j'en peux plus. Clic,
climat de merde, on se tape dans ce jeu. Les loups, on va peut-être arrêter de les chasser. Les renards, il n'y en a pas tant que ça. Les cerfs, c'est un peuple. Alors, le sanglier. Le sanglier, ça doit être une bestiole qui porte combien, lui ? Capacité de stockage. Alors, en combat aussi, ça doit être quelque chose. Il doit tanker propre. Il a 120 PV. Waouh. Il porte pas, lui. Je crois qu'il pouvait avant porter. Associé au combat. Probabilité d'esquive, 30%. Dégâts sans armes, 14. Waouh. Ça, au combat, ça doit être magique. D'avoir un sanglier, bah peut-être. Peut-être. C'est vrai que ça serait cool d'avoir des sangliers pour aller se battre. Se garder juste nos colons en hauteur et faire office d'archer. Parce qu'à coup de 120... ils ont combien de PV, eux ? Si on vient comparer. 100. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Est-ce que dans leur stat, ils ont de la résistance ? Parce que, est-ce que tous encaissent les PV ? Ça, c'est là-dedans. Donc, les stats générales. Liés aux tâches. Oh, ils ont un paquet. Oh là là, paquet. Alors, ça marche comment ? Ah, lié au combat. Probabilité d'esquive, elles sont pas ouf. Multiplicateur de dégâts. Ah ouais, ok, c'est là. D'armes au corps à corps. Donc, lui... Il a 0,88, là où le sanglier a peut-être un 0,5 ou je sais pas. Ah, faut attendre que le jour 12, c'est cool quoi. Qu'il en soit, la vidéo va être assez longue comme ça. On va se remettre sur de la lecture simple. Et ben voilà, Mila a un compagnon, Mila a eu son anniversaire, on a enfin résisté à l'hiver, on a résisté à un premier raid, ils sont du coup deux colons, ça avance tout doucement, mais ça avance au moins dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, merci pour votre fidélité, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, lâchez un petit like et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, ciao.